Salut à tous, c'est Daddy Femtech, j'espère que vous allez bien. La vidéo ne devait pas être comme ça du tout. J'avais prévu totalement autre chose. J'avais même prévu de faire intervenir Beatle Lorenzo, Avalanche, etc. Mais en fait, j'ai tellement été déçu que je me suis dit, je vais pas les déranger. Vous le savez, si vous avez vu la vignette et que vous avez vu le titre que vous avez cliqué, en me connaissant, vous savez que si j'annonce un truc, ben, c'est que ça va être comme ça dans la vidéo. Donc, ce que je vous propose, on va tester les Rokid Air. Ce sont des lunettes AR, donc à réalité augmentée. On va faire le déballage. Ensuite, je vais vous parler du design et ensuite, on va parler du reste et vous allez voir que ça va se dégrader au fur et à mesure du temps. Après ce petit déballage, qui, avouons-le, ben franchement, il y a un packaging assez de ouf. Quand on regarde l'étui, on regarde la boîte, comment elle est faite, on a un câblage qui est fourni. Bon, il y a des options à acheter, hein, comme un dongle USB ou un dongle pour tout ce qui est iPhone avec le câble Lightning, etc. Donc, il y a quelques petites options à acheter, mais on peut dire que le packaging est vraiment très bon. Au niveau du design, je vais les reprendre, elles sont juste là. Si on prend le design, bon, ce sont des lunettes à réalité augmentée. Il y a un film sur l'écran pour le soleil, donc ça cache déjà les rayons UV, etc. Elles ont un design qui, oui, on voit que c'est des lunettes tech, on voit que c'est un peu différent, mais elles ont un très bon design. Elles ont de très bonnes qualités de finition, il faut l'avouer. Quand on les voit d'un premier abord, bon, on va enlever les autocollants avec les trucs de communauté européenne, les avertissements et tout ça. Moi, je les avais pas enlevés parce que je me suis dit au début, je vais les tester avant de tout enlever, hein, parce que j'ai pas envie de les abîmer. Et là, on les met sur son visage et bah, je me dis, waouh, c'est léger. 86 grammes, elles tiennent bien sur le visage, ça ne serre pas trop au niveau des tempes. Voilà, il y a du bon. Je les allume une première fois, enfin je les branche une première fois, on va en parler après. En tout cas, je me dis, bon, ben là, le petit bouton pour le contraste, etc., est correct. Il y a un petit clic, il ne fait pas trop mauvaise qualité. Première surprise, vous avez deux molettes sur le dessus. Les deux molettes servent à régler l'image selon votre vue, etc. Ça, j'ai trouvé ça bien. Je me dis, waouh!
Parce que moi qui ai une myopie, eh bien j'avais une image, entre parenthèses, guillemets, etc., nette. Entre parenthèses. On m'annonce pas mal de specs, dont on va parler après. Donc du coup, on est tout ce design avec des haut-parleurs intégrés, des micros intégrés. On a cette qualité sonore, vous savez, un petit peu comme le casque par conduction osseuse, comme je vous en avais déjà parlé. Donc c'est à l'air libre, etc. Et je me dis, ça a l'air de bien présenter. Franchement, un bon design. Du coup, je me suis dit, maintenant, on va passer aux specs. Bon. Les specs, ce sont des lunettes, donc vous vous doutez bien que ça va faire avec un effet de reflet pour vous donner l'image. On nous parle d'écran OLED, on nous parle d'une résolution 1080p capable de supporter la 4K, donc une simulation de 4K. On nous parle d'un son HD, je me fais waouh. Dans les specs, on me parle aussi d'une luminosité à 1800 nits. Je tiens à préciser que 1800 nits, c'est au-dessus d'un écran d'un Samsung S23, S23 Plus, S23 Ultra. On est quand même au point de se rapprocher de l'écran d'un iPhone qui est à 2000 nits. Mais c'est 50 nits de plus qu'un S23. Donc, quand on voit ça, on se dit, ah ouais, quand même, là, ça envoie du lourd, il y a quelque chose derrière. Quand on voit la publicité, encore une fois, on voit des images de gens qui dansent, comme vous voyez en ce moment. On voit des images de gens qui travaillent en AR, donc ils sont en communication, ils voient la personne, etc. On voit que dans cette image, il y a une image de vous-même. Je me dis, wow, quand même. Donc, on voit aussi une autre image, donc dans ce marketing d'achat, de personnes dans une famille, dans un divan, chacun a ses lunettes, on est en train de toucher les trucs. Tu te dis, wow, je suis dans Minority Report. Je suis en train de bouger à mes applications. Le but de ces lunettes, bon, on vous dit bien de ne pas conduire avec, hein, évidemment, mais le but de cette application est de ne pas sortir le smartphone. Voilà, donc on ne sort pas le smartphone. Ça veut dire que nous sommes en train d'utiliser les lunettes avec nos mains. Donc ça veut dire qu'on est en train de sélectionner nos apps, voilà, on en lance un film. Jusque là on te vend du rêve, surtout que quand tu balances un prix à 3,99, bon là tu vas me dire ouais, ça peut être du middle, mais à 8,99, j'ai envie de te dire que là ça commence à douiller au niveau du prix. Donc jusque là je suis en train de te sortir quand même des specs aussi, hein, toujours encore une fois, dans les specs on te sort du 60 Hz. OLED, 60 Hz, écran, donc une définition Full HD, hein, donc 1920 par 1080 x 2, évidemment, vu qu'il y a deux écrans, un pour chaque œil. Un contrôle de la luminosité qui monte à 1800 nits, je tiens à le préciser. Compatible Android, certains, je suis désolé, hein, je vais taper sur le dos de certains YouTubeurs qui ont dit que c'était compatible iPhone, iPad, etc. On va en reparler après. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais jusque-là, on est en train de te vendre un truc de ouf. Hein. Maintenant, si on lit encore une fois, je suis en train de lire, hein, je n'invente rien. Je vais même l'afficher sur le côté. On te dit qu'il y a 9 axes. Des senseurs à 9 axes. On te dit qu'il y a un fusion schéma. On te dit qu'il y a un capteur de proximité. Honnêtement, allez, je veux dire, jusque-là, tu es en train de te dire, mais le truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. On te dit que tu peux connecter ça à ta console. Bon, attention, encore une fois, il va falloir connecter ça à ta console avec un dongle que tu achètes à part, etc., etc., etc. Oui, tu peux connecter à ta console, je te confirme. Switch, Xbox, PS, PS4, PS5, etc. Donc, encore une fois, quand tu entends toutes ces specs, tu te dis, ah ouais, là, on tient quelque chose. Et puis, il y a ce qu'on appelle la réalité. Et dans la réalité, là, j'ai envie de te dire que tu tombes en feuille morte, comme ça. Tu vois ?
Je veux dire, c'est le moment où la feuille se détache de l'arbre, qu'elle était en train de prendre le soleil, elle vivait sa petite vie, et que tu te dis, bon, que se passe-t-il? Et là, on va en parler tout de suite. On va commencer par la base. Déjà, la compatibilité. Alors, j'ai pas de compatibilité. Là, j'ai précisément 17 smartphones à la maison. 17. J'ai précisément aucune compatibilité avec Vivo, Xiaomi, Realme, Poco. Donc déjà, tout ce groupe-là, vous pouvez déjà l'oublier. Huawei, seulement certains modèles. Il va falloir sortir les tout derniers modèles. Voilà. Donc déjà, quand tu as déjà ça, Sony, il faudra sortir les tout derniers modèles, ceux qui tapent au-dessus des 1005. Il va falloir sortir vos Samsung. Là, je l'ai dû, c'est le seul smartphone sur lequel ça a fonctionné. C'est le S21 Ultra et le S23 de ma fille. Donc, je me suis dit, on va tester avec ça. Et là, tu as le DeX qui se met en route. Normal. C'est une des options de Samsung. Ça se met en route. Bon, il faut savoir que l'application, tu la télécharges une première fois sur le Play Store. La mise à jour se fait par APK. Et là, tu dois accepter plein de trucs. Alors, tu dois accepter des choses que tu ne connais pas parce que soit, oui, tu as le site qui te donne l'APK en français, mais des fois, une fois ou deux, quand j'ai voulu le retélécharger, je me suis dit, c'est moi, ça bug, etc. Tu as le truc en chinois. Bon, j'ai l'habitude de faire des trucs ainsi, hein, avec mes astuces, etc. Donc, je me suis dit, banzai. Bon, tu dois déjà désactiver le DeX. Sinon, les lunettes ne fonctionnent pas, tu es en DeX sur les lunettes et là, c'est juste la galère. Donc, tu es en train de te balader avec ton Samsung en main qui est un pavé tactile. Tu te dis, une fois que le DeX est déconnecté, ça va fonctionner nickel. Et là, tu passes sur l'application Rokid Air. Tu dois aller dans l'application qui est assez lente parce qu'elle est en permanence en connexion sur Internet. Donc, elle s'ouvre un petit peu comme des pages Internet. C'est assez frustrant, assez énervant si tu n'as pas une bonne connexion. Et même quand tu as une bonne connexion, comme j'ai ici en 400 mégabits seconde, pour le Wi-Fi, hein, je suis même pas en fibre, eh bien, ça rame. Tu vas sur la partie AR pour une connexion et là, waouh, ça y est, tu as une connexion. Et en fait, la connexion que tu as, ben, c'est juste du mirror de ton smartphone. Je la connecte à l'iPad qui a un USB type C vu que c'est un câble USB type C qui est fourni, hein, comme ceci. Et là, à l'iPad, tu as un mirror, encore une fois. Mais le pire sur l'iPad, c'est que tu es sur le tactile de l'iPad en regardant comme ça, hein, comme un teubé, hein, tu es ainsi. Mais le tactile sur l'iPad, ça fonctionne, mais dans les lunettes, ça ne fonctionne pas. Si tu veux que ça fonctionne, il va falloir utiliser le pad tactile du clavier. Je ne sais pas si tu vois le délire plus ou moins. Ça, c'est une chose. Sur le Samsung, on y revient. Là, tu as une espèce de petite barre de tâches qui apparaît avec une résolution qui est très, très loin, très, 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 très loin du 1920x1080. Je suis désolé, mais celui qui dit que ça, c'est du 1920x1080, à mon avis, il n'a jamais vu du Full HD. Jamais. Il n'a jamais vu de Full HD. Ça, c'est un 1800 nits de luminosité. Alors, j'étais dans la même pièce qu'ici, les rideaux étaient fermés et le soleil tapait un petit peu comme ça à travers les rideaux. J'ai des rideaux gris clair. Hein. Et donc, du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vois que dalle. Mais quand je dis que dalle, c'est que dalle. Hein. Tu dois te tourner vers un mur pour voir quelque chose. Même en mettant le contraste au plus bas, même en mettant la luminosité au plus haut, tu dois te tourner vers quelque chose de plus sombre pour voir quelque chose, pour voir une image. J'ai l'impression qu'on est, vous savez, sur les vieux projecteurs du début et encore les tout bas de gamme au niveau image. Donc, on est très loin. Si c'est, alors, peut-être que ça sort, 1920, ça sort de la Full HD 1920x1080 dans les petits réflecteurs. Ça, je ne dis pas. Mais au niveau des yeux, on n'est pas du Full HD. Et alors, j'ai lancé, bah, comme je le fais pour les smartphones qui sont même en Full HD+, etc. J'ai lancé une vidéo sur YouTube, une vidéo de nature 4K. Ben non, j'ai pas eu la même image, hein, pas du tout. Alors, je suis désolé. Mais vive l'arnaque. Autre chose, on nous promet ceci. Eh bien non, vous allez devoir être avec votre smartphone en main en permanence, qui sera un pad tactile.
pour pouvoir vous déplacer. Ça, c'est un. Si vous passez en mode 3D, là, je me dis, ah, le mode 3D, on va pouvoir faire avec les mains. Eh bien, non. Souvenez-vous de la Nintendo Wii. Vous savez, les télécommandes qu'on faisait ça. Eh bien, même système. À la différence près que la Nintendo Wii, ben, vous avez une bonne image quand même. Et là, en fait, une fois que vous passez en 3D, vous devez lever votre tête vers le haut. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais en tout cas, vous devez la lever vers le haut. Et alors, vous devez faire ça vers le haut, comme ça, vous devez vous diriger. T'as juste l'impression d'être l'abruti du village. Je sais pas trop comment décrire le truc. Mais voilà. Alors, il y a un store dans l'application avec des jeux. Alors, le store et les jeux, j'ai l'impression qu'en fait, la Super Nintendo Mini, ici, que voici, me sort une meilleure qualité. Franchement, on avait des super bons jeux sur Super Nintendo et là, ben, ça fait mal aux yeux aussi. Entendez-vous bien, les molettes pour régler le dessus, pour régler la vue. Alors, il va falloir muscler vos doigts. Ça aussi. Ensuite, le confort, je ne critique pas, il est toujours là, il n'y a pas à dire. Le son. Son HD. Alors, il y a une différence entre son HD et son médium. C'est-à-dire son médium sans basse, sans aigu, juste des médiums. Ok ? Souvenez-vous la conduction osseuse. J'ai été conquis, j'ai trouvé ça très très bien. Ok ? Là, le son n'est pas monté au maximum. Et ma fille entendait ce qui se passait dans les lunettes. Donc, ça veut dire que vous n'avez aucune confidentialité si vous êtes en appel. Ça aussi. Parlons des appels. Alors, pas toutes les applications sont compatibles pour faire un appel visio. Eh oui, parce que moi, je me dis, bah, on voit les appels visio. Oui, il y a des appels visio, en effet, seulement avec WeChat. Donc, si vous avez WhatsApp, Messenger, etc., etc., vous pouvez oublier les appels visio. Vous avez deux micros, là où des petits écouteurs en ont quatre. Ok, donc j'ai testé les petits Tozo là dernièrement que je vous ai posté mercredi. Il y avait deux micros par écouteur, là vous en avez juste deux. Ok, ça veut dire que quand vous êtes dehors, on entend tout ce qui se passe. Il n'y a aucune réduction du bruit ambiant, rien du tout. Ça, c'est une chose. Numéro 2, ben, vous allez entendre ce que la personne vous dit, hein, un son médium, mais tout le monde entend aussi ce qu'elle vous dit. Et quand vous parlez, s'il y a trop de bruit, elle ne vous entend pas. Voilà. Je ne sais pas, je peux continuer encore comme ça des heures. En tout cas, il y a une chose que je dois dire. J'ai vu des vidéos de YouTubeurs qui font l'éloge de ce truc. Alors, quand tu la branches sur une console, ben, tu as le même problème. Je veux dire, déjà, tu as le problème du câblage. Donc, tu as ce câble qui mesure 1m50, voilà. Donc ce câble est branché à 1m50 de ta console. Ça veut dire que tu dois être à 1m50 de ta console. Parce qu'en fait, si tu prends un autre câble USB type C, et quand je parle autre câble USB type C, ici j'ai un Thunderbolt 4, ça marche pas. Donc, pas de chance. Tu vas devoir te mettre à 1m50 de ta console. L'intérêt, bah, je le vois pas en fait, parce que ouais, tu laisses madame regarder la télévision, monsieur, la famille. Toi, tu joues dans ton coin, mais tu dois être à 1m50 de ta console. Ça, c'est une chose. Et tu as toujours ce problème de luminosité, ce problème que tu ne vois pas bien. Donc, on te vend du rêve. Et moi, je trouve ça honteux que certains YouTubeurs anglophones, pas français, hein, je tiens à préciser, pas francophones, mais anglophones, ont testé ce truc et ont commencé à faire « Waouh ! Oh ! Oh yeah !» Non, désolé, pas « Oh yeah !» C'est vraiment honteux. Ceci, ben c'est une arnaque, je tiens à le dire, c'est comme mon titre, je vous le dis honnêtement, c'est une arnaque. Que vous les payiez 3,99, 99 pour mes amis français, 8,99, 99, et même que vous les payiez 100€, c'est une arnaque, c'est une dépense d'argent inutile, c'est le truc qui ne vous sert à rien. C'est le truc qui va vous vendre du rêve et qui va vraiment, mais vraiment, ne rien vous apporter si ce n'est dépenser de l'argent et alléger votre portefeuille. J'ai voulu être le plus clair possible dans cette vidéo parce que, vous le savez, je suis un fan de tech et donc du coup, j'ai voulu trouver un petit truc nouveau à vous présenter. Je m'attendais à vous présenter autre chose hein, quand on voit le rêve qu'on vous vend. Et au final, ben non, c'est une déception totale. Et honnêtement, j'espère que cette vidéo servira à certains pour
éviter de dépenser de l'argent. Certains vont me dire, moi, j'ai pas le budget, donc je m'en fous. Mais voilà, il y en a qui aiment la tech, qui des fois veulent s'acheter des trucs, et puis bah, tu es déçu d'acheter ce genre de choses. Et tu te dis, j'aurais mieux fait de m'acheter autre chose. Honnêtement, 3,99, donc presque 400 euros, économise encore un petit peu, achète-toi un bon smartphone de n'importe quelle marque, parce qu'il y en a déjà de très bons, mais ne t'achète surtout pas ça, parce que ça, c'est juste une perte d'argent, une perte de temps à l'attendre qui va arriver. Et en plus de ça, c'est une perte au niveau mental, parce que c'est une grosse déception. Et ça, je n'ai pas envie d'être que tu sois dégoûté de la tech. C'était Daddy Fam Tech. J'espère que cette petite vidéo, différentes coups de gueule et tout ce qui va avec, hein, prévention, etc., vous a plu. La semaine prochaine, on reprend sur autre chose, hein, d'autres tests, etc. Salut.